Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure après cette introduction poétique, artistique, incroyable et pleine de musique. J'espère que, déjà je vous ai pas trop manqué, vous étiez très nombreux à dire « Mister B-Boy, à quand ta nouvelle aventure ? B-Boy, tu reviens quand parmi nous ?» Ça y est, je suis de retour, j'avais besoin de ces quelques mois, je me suis énormément investi sur Twitch, retrouvez-moi tous les soirs, d'ailleurs retrouvez-moi ce soir à partir de 19h sur ma chaîne Twitch, mais ça y est, c'est officiel, nous sommes de retour avec deux nouvelles aventures, Shadow of the Colossus, l'ombre du Colosse bien évidemment, qui commence avec cet épisode, et une nouvelle aventure qui commence dès demain, surprise, vous verrez, mais en tout cas, on va se gaver avec toutes ces nouvelles aventures, bref, comme chaque nouvelle aventure, n'oubliez pas, le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir, c'est touchant, et aujourd'hui, on se retrouve sur un jeu, j'ai une histoire par rapport à ce jeu, mon histoire est incroyable, bien évidemment, c'est que je n'ai jamais fait ce jeu, qui pourtant est rentré dans la légende à l'époque sur PlayStation 2, mais j'avais fait ICO, hein. J'avais fait ICO de la Team ICO, on les appelle la Team ICO, parce qu'ils ont créé un chef-d'œuvre avec leur premier jeu qui était ICO bien évidemment, et ils ont fait Shadow of the Colossus quelques années après, toujours sur PlayStation 2, et je ne l'ai jamais fait, c'est terrible, je sais, il faut pas m'en vouloir, mais il est temps de se rattraper et on va vivre une aventure et j'ai bien envie de l'appeler l'aventure colossale. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes installés confortablement, on va rentrer dans un univers poétique, charismatique, et l'aventure qui arrive demain est une aventure un petit peu plus, entre guillemets, boostée. Le but du jeu est donc de retrouver l'intégralité des colosses, de les escalader, de trouver leurs points faibles, et si je puis me permettre du terme, les soulever, les monter en l'air d'ailleurs, et tutti quanti, encore une fois, si je peux me permettre cette expression. Bien évidemment, vous vous doutez bien que le jeu n'était pas comme ça sur PlayStation 2, hein, les gars. Entre nous, vous avez compris que c'était un remake, si je puis me permettre l'expression encore une fois. Donc, j'ai hâte de découvrir ce jeu. Bah oui, bah les gars, j'ai jamais joué à Shadow of the Colossus. Si, j'y avais joué, mais j'ai peut-être joué quoi, une heure, j'en ai aucun souvenir. ICO, je l'avais terminé, mais très honnêtement, j'en ai toujours aucun souvenir. J'ai 2-3 énigmes qui me reviennent en tête de temps en temps, parsemées par un petit peu de parmesan, si je peux me permettre l'expression encore une fois. Mais en dehors de ça, là sur le coup, ça va être de la totale découverte. Donc je compte sur vous pour apprécier bien évidemment déjà le retour de nos aventures tous ensemble, les amis. Et en plus, mettre un petit like si bien évidemment la vidéo vous fait kiffer. Et un petit commentaire, pourquoi pas. Donc ça ne va pas parler dans le jeu. Ça ne parle pas. Bah déjà, il est tout seul. Frère, t'es là, tu parles pas à un cheval. Tu vois ce que je veux dire? Le cheval ne te répond pas. Hein, au pire, le cheval court. Au pire, il marche. Au pire, il s'assoit si tu l'as dressé tel un Pokémon. Mais il ne te parlera pas. Donc, on va vivre une aventure assez courte, j'ai entendu dire. On en a pour à peu près, je pense, 6 heures. Donc, ça fait quoi, 10-12 épisodes? Mais une aventure. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a pas besoin de mettre des mots pour vivre une aventure. Vous voyez ce que je veux dire? Nous sommes d'accord pour dire que c'est un décès. Elle est à la peau bien blanche. Aïe! Elle est pas bien, hein? Ce lieu est né de la résonance de points d'intersection.
Ce sont des souvenirs abandonnés au néant, gravés dans la pierre. Sang, jeune pousse, ciel, et celui qui sait contrôler les êtres issus de la lumière. Dans ce monde, il est dit que celui qui le désire peut faire revenir les âmes des morts. Mais il est formellement interdit d'entrer sur ces terres. Je veux donc faire revivre ma douce. Y'a des ombres! Elles sont pas très grandes, hein! C'est pas l'ombre du colosse, ça, hein! On s'est foutu de ma gueule! Bon, là, on m'a menti! Il est temps de sortir ton épée! Je ne sais pas comment, avec ton épée, tu comptes battre des ombres, mais on s'en occupe, c'est pour moi! Cheval! Laisse-moi passer! Fidèle destrier! Je serai ton coéquipier! Ça, c'est beau! Ça, c'est beau! Notez-le, les gars, chez moi! Notez-le, parce que là, j'ai fait une entrée en scène incroyable! Waouh! Ceci est mon vent! Et que Dieu bénisse la mairie! Ça, faut toujours le dire. T'es obligé de le dire dans une série, voilà. Tu vois? Sinon, ça ne marche pas. Ça n'a pas le même effet. Ah, il n'aime pas la lumière. Très intéressant, n'est-ce pas? Vous possédez l'épée antique? Vous êtes donc mortel. Seriez-vous Dormin? On m'a dit que dans cet endroit, au bout du monde, il existe un être capable de contrôler les âmes des morts. C'est exact. Nous sommes celui qu'on le nomme Dormin. Elle a été sacrifiée car elle était maudite. Je vous en supplie. Je dois récupérer son âme. L'âme de cette jeune fille. Les âmes perdues le sont à jamais. N'est-ce pas le lot des mortels? Pourtant, avec cette épée, l'impossible est à votre portée. Vraiment? Nani? Bien entendu, uniquement si vous accomplissez nos requêtes. Que dois-je faire? Vous voyez ces idoles le long du mur? Votre tâche consiste à les détruire. Mais les mains d'un simple mortel ne peuvent pas en venir à bout. Alors, que dois-je faire? Dans cette région vivent des colosses qui sont l'incarnation de ces idoles. Abattez ces colosses. Pour renverser les idoles.
Kaldu Mukodo. Hola. C'est entendu. Mais attention, car le prix à payer peut être lourd. Hola. Ce n'est pas grave. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Waouh! Levez votre épée vers la lumière. Et dirigez-vous là où se concentrent les rayons lancés par la lame. Vous trouverez le colosse que vous devez abattre. Waouh ! C'est tellement stylé, les gars. Putain, mec, j'adore. C'est simple, c'est poétique, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai tellement hâte. Et maintenant, partez. Je pars. Oh, mec, c'est trop bien. Mec, c'est trop stylé. C'est tellement fluide en plus. C'est trop stylé à jouer. Ok, levez votre épée quand le soleil brille et regardez où se concentre son rayon. Ok, d'accord. Bon, je vais monter sur mon fidèle destrier. Appuyez sur triangle ou croix, d'accord. Mec, c'est trop bien. J'adore. Faites accélérer aggro. Oh, il s'appelle aggro. Ok. D'accord, ok, on va passer par ici. Les gars, c'est hyper fluide. Je trouve ça très très beau. Et ça me fait kiffer, j'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai clairement envie de voir ce que ça va donner. J'ai déjà envie de finir cette aventure. Mais mec, c'est trop bien. Donc je dois sauver ma douce qui était maudite, si je peux me permettre l'expression, bien évidemment. Et pour cela, je dois tuer un nombre de colosses. D'ailleurs, j'ai peut-être... Peut-être devrais-je compter. Non, attendez, on va voir. On va essayer de compter. On va voir. Je dois en tuer un. Allez, tous ensemble. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc, je suppose qu'il y en a 8. Donc, 16 colosses. Le compte est bon. J'ai lu derrière la boîte. Il y avait écrit 16. Le compte est parfaitement bon. On est parti, les amis. Oh, mec, c'est trop bien. Il s'est rattrapé. Alors, évidemment, encore une fois, ça a été refait. Hein. C'était pas aussi beau sur PS2. C'était un remake, bien évidemment. D'ailleurs, rien que pour la beauté du jeu, j'aimerais bien comparer les deux jeux. Mais sur PS2, je comprends pourquoi ça devait être fantastique. Une si grande épopée, entre guillemets. Les gars, on remonte à deux générations de consoles, c'est déjà énorme. Et clairement, c'est le petit fire. Alors attendez, je parle. Moi, je pourrais passer ma vie dans une plaine. Ok. Attendez, on peut déjà... Oh, on a la map monde qui est couverte de nuages. Ça retait que le temps. Waouh. Reviens, aggro. Oh mec, trop bien ça. Je savais pas, je découvre les touches, hein, les gars. C'est un... C'est une découverte totale. On va passer par ici, peut-être, non? Y a peut-être pas grand chose à fouiller là, si. On va faire un petit tour quand même. Les gars, c'est hyper fluide, c'est très appréciable. Mettez en 1080p 60 fps au minima, et tutti quanti, si je peux me permettre l'expression encore une fois. Parce que franchement, je pense que ça va être assez ouf. On va passer par ici. Alors, c'est bizarre parce que mon épée me dit. Y a quelque chose en bas à droite qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ouais, c'est par ici, hein, c'est bien par ici. Waouh! Attendez, stop! Stop, aggro! Alors, lui, avant de pouvoir le maîtriser, il va me falloir quelques années. Il est blasé, aggro, hein. Je sais pas ce qu'il a, les gars. Ah, il a pas bouffé, il a pas de buffet depuis quelques jours, apparemment. Je pense que c'est par ici, hein. Il faut aller là où la pointe de mon épée me dit d'aller. Elle me dit totalement pas d'aller là. Waouh! Oh, ça, c'était stylé. C'était mon côté cascadeur, vous connaissez, hein. Vous connaissez maintenant. Il y a totalement rien, c'est un arbre. Ah, ok, c'est carré pour attaquer. Mais alors, comment. Je me pose plein de questions. À quoi ressemble le point faible d'un colosse? Peut-être ses yeux, non? Peut-être qu'il est totalement différent à chaque fois. C'est incroyable. Je peux couper l'arbre? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok, on se casse. Bon, de toute évidence, là, c'est à la base de l'épée. Mais on est d'accord, plus c'est proche de l'épée, plus la direction est bonne, si je peux me permettre. Donc, normalement, ça a l'air d'être par ici, en fait. Waouh! Redresse, aggro! On n'est pas bien! Ça me bat les couilles. Le mec, il a fond sur un cheval, il tend l'épée en l'air. C'est ça, c'est le héros du 21e siècle. On est mort, les mecs. Ok, je pense que c'est par là. Parce que
ça me paraît bien grand. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Mon premier obstacle à franchir, je vois. Ceci est une bien belle falaise. Bon bah finalement ça parle dans le jeu. J'ai été mauvaise langue hein les gars. Non, je pensais vraiment que ça allait pas du tout parler. Dans Ico ça ne parle pas. En tout cas dans mes souvenirs. Ouais, peut-être là non? On peut grimper? Agrippez-vous à certains endroits. Ouais. Ok d'accord, on peut totalement grimper. Le jeu a été bien refait hein. C'est fort agréable hein. Puis maintenez R2 enfoncé, d'accord. Bon ça c'est déjà fait, très bien. Ok, j'ai compris comment escalader. J'ai compris le B.A.B.A. de tout ce qui est Shadow of the Colossus. OS! Ouais, c'est un mélange de US et de A, tu vois, parce que j'étais pas sûr. Ah, par contre, alors, ça, va falloir se méfier. C'est-à-dire que quand tu sautes, il faut appuyer sur R2 pour te rattraper. Voilà, pas besoin, les gars. Alors, ok, comment on se baisse? Ok, c'est juste rond, tout simplement, une petite roulade, on apprécie. Ok, donc ça c'est déjà fait. J'ai une petite avance sur le tuto. Oh, c'est mon côté professionnel. C'est mon côté e-sporteur hein, qui remonte, hein, forcément. Hein. Monte! Ah putain, alors si t'appuies sur R2 avant croix, oh, c'est terrible, toutes ces combinaisons incroyables. Ah, c'est rien. Ah, ah oui, tu lâches R2, c'est la mort, hein. C'est la mort du petit cheval. Ok, d'ailleurs, je ne pensais pas à toi, gros, hein, en parlant de petit cheval. Tu sais que je te respecterai à la vie, à la mort. Tu es mon seul acolyte durant tout ce trajet. J'espère qu'on croisera peut-être d'autres humains. Ok. Relâcher croix pour sauter dans la direction choisie. Ok. Mais encore dans le tuto. Waouh! C'est mon premier colosse! Il est beau! Enfin, il est beau. Son bras est beau. Ok. D'accord, il a l'air de s'en aller. Je peux changer d'arme? Amenez-moi la sulfateuse! Ok, j'ai un arc. C'est. Ok, d'accord. L2 pour fixer le colosse. Putain, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Et il y a des balcons sur le dos! Trop bien! Avec vue sur la mer! Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Ah, on peut s'accrocher à la poupe. J'y vais. Que Dieu bénisse l'Amérique. Arrête. Reviens, colosse. Yes. Avec l'épée, renvoyez les rayons sur le colosse. Son point faible sera révélé. Ah. Ah. Putain, il veut se débarrasser de moi ce salaud hein. Ok. Arrêtez! Mec, c'est trop bien! Mais c'est pas vrai! S! Ok. S! Je ne comprends pas. Quoi? Ok. On va continuer de monter alors. Je continue d'escalader. J'ai eu un petit point faible, je suppose, qui m'a permis de le mettre à terre. Ok. Aïe! Ah, je suis accroché à ses poils de fesses. C'est terrible. Ah, lâchez-moi, monsieur. Waouh. C'est bon, je suis accroché à son bras. Ok. C'est quoi cette jauge? C'est quoi cette jauge? Je vais tomber. Ah. Ok, c'est rien. J'ai perdu de la vie. Ah ouais. J'ai du temps, en fait. Incroyable, mais vrai. Ce joueur franco-thaïlandais a pris son temps sur un colosse. Ça lui a coûté cher. J'y retourne. Ouais, mais c'est là où j'ai perdu beaucoup de temps. C'est, je vous l'accorde. Ok. C'est totalement bon. C'est totalement bon. On va reparcourir ses fesses. C'est compliqué, hein. Il y a un balcon, là. Un pont. Bon gros balcon. Oh, j'adore les gros balcons. Non! M'évader! Putain, mais c'est terrible! Je t'aurai, colosse! Voilà donc un colosse qui me pose bien des problèmes, si je peux me permettre. Sachant que c'est le premier sur les 16! On est dans la merde! Vous énervez pas, les gars, on va y arriver! Ah! Il recule! Ah! C'est rien. Ok, on est bon. Lâche-moi! Mais il aime pas les chatouilles, hein, c'est terrible! Ok. 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 C'est bon, je suis sur un balcon là. Je suis sur un balcon.
Ah, on va se reposer. Ah, c'est un bien beau balcon là. Je vous ai dit que c'était... c'est génial. C'est génial. J'aimerais trop voir sur PS2 ce que ça donnait. Parce que techniquement, ça devait être tellement fabuleux. C'est rien. C'est rien. Et il est craintif, hein. Il n'aime pas les guillis celui-là. Hein. Ok, je suis sur le deuxième balcon, les gars. Je suppose que son point faible est la tête, hein, comme la plupart des colosses. C'est incroyable. Oh, c'est beau ça. J'ai pris. Oh putain, je croyais que c'était un mec en parapente. Je me suis dit, c'est gros de jeu, il s'est cru dans Fortnite celui-là. Ok, allez, c'est la tête. C'est la tête. C'est la tête. Voilà. Oh, c'est une giclée de sang. C'est lui. Oh, c'est une deuxième giclée. Vite, 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 j'aurais pas le temps sinon. Oui. Nous avons terminé ce premier colosse sous une effusion de sang. Oh, mais ça me fait de la peine. Ils ont peut-être rien fait. La vallée du nomade. Il avait pas l'air méchant, lui. Moi, ça me fait mal. Non, ça me fait mal. Oui, ça me fait totalement. Là, j'ai mal. Il a peut-être rien fait de méchant, putain. Ah, son ombre s'en est allée au-delà. Ah ! Oh putain, j'ai tellement peur. Malade, quoi. Ok. Quelle est cette sombrerie ? Je reviens ici à chaque fois, d'accord. Votre prochain adversaire est dans une grotte marine. Il se meut lentement. Armez-vous de tout votre courage pour en venir à bout. Ok, prochain colosse dans une grotte marine. Waouh, c'était incroyable. C'était juste incroyable. J'ai kiffé ce premier colosse, les gars. Merci, merci de m'avoir proposé ce jeu. Je savais pas trop quoi faire, j'hésitais avec une autre aventure. Et je pense que celui-ci va être très très bon. Il va être succulent. C'est une aventure succulente qu'on a là, les gars. Mettez succulent en commentaire si vous êtes arrivés jusqu'au bout, bien évidemment. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour le deuxième colosse. Allez, limite un colosse par vidéo. On va voir un petit peu comment on va s'arranger. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à très vite pour la suite de nos aventures sur Shadow of the Colossus. Bisous, ciao ciao.